On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet dominical, toujours sur l'hippodrome d'Auteuil, le quintet Prix Prince des Couans, en terrain normalement lourd, 16 partants, d'échevaudage, j'espère que tout le monde va bien. 3900 mètres, avec la réunion d'aujourd'hui, plus demain, à mon avis, le terrain sera pénible. Alors c'est un quintet ouvert, il peut y avoir des surprises, s'il y en a, j'espère vous les donner. On démarre les bases. Alors le gagnant sera le numéro 16, Bonaparte Sizing, sous son petit poids, il vient de gagner pour une reprise sur Compiègne. Très, très proprement, il a 4 sur 7 sur le tracé, il va dans le lourd, il a croisé l'année dernière un certain Red Milo Impérial, vainqueur du prix Violon 2 et encore très en vue dans le prix Montgomery. Donc théoriquement, s'il doit gagner un quintet, il a déjà fait ses preuves dans les événements, ça doit jouer la victoire. Deuxième base, le 13 Yellowfield, qui a une belle réussite sur ce parcours-là. C'est un cheval qui a fait ses preuves dans les quintets, qui va dans le lourd. Une course de rentrée pour préparer, à mon avis, ce quintet-là. 5 sur 7 sur le parcours, deuxième en 2019. Je fonce. Le challenger, le numéro 4, Via Maresca, une femelle de 5 ans, Nicolas Gofnik. Marcel Roland qui est à l'entraînement, elle a fait une bonne deuxième place pour son unique essai dans les quintets derrière Jujotte, une bonne jument, battant Alnatop qui a enfin gagné son quintet cette année. Il vient de faire troisième pour une reprise de contact sur Auteuil, 2 sur 2 sur les haies d'Auteuil, j'y crois beaucoup. Premier outsider, le numéro 10, Follyfoot, qui vient de remporter sa première victoire sur l'hippodrome d'Auteuil. Premier essai et première victoire en battant Via Maresca et Feu d'Artifice que j'ai gardé dans ma sélection. Débute quintet, débute dans les handicaps, va dans le lourd, j'y crois beaucoup. Deuxième outsider, le numéro 5, Éclair du Maffré, qui vient de faire un truc récemment dans un quintet. Dernier toute la route, dernier EE côté corde. Grosse accélération, il coiffe tout le monde, prend ses 8 livres, s'est essayé groupe ensuite beaucoup trop dur, revient dans sa catégorie, ça peut répéter malgré la surcharge. La suite du pronostic, le 9, Rock the Race, que je vais pas condamner récemment sur son échec sur l'hippodrome du Putois. Adore ce parcours, 8 sur 12, revient sur Auteuil, Ludovic Philippe Ron qui est dessus, va dans le lourd, j'y crois beaucoup aussi. Ensuite, le numéro 11, Via Dolorosa, gagnant du prix du président en 2017. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. C'est un cheval qu'on a plus vu dans le steep, mais a déjà réussi sur ce tracé-là 2 sur 2. Va très bien dans le lourd, la forme chaillée. Je garde en bout de sélection. Et je termine avec le numéro 7, Feu d'Artifice, qui vient de faire bon troisième pour un retour sur Auteuil, ensuite cinquième de la course de Follyfoot et de Via Maresca. Il a 2 sur 3 sur les balais, il va dans le lourd en bout de sélection, pourquoi pas. Peut-être qu'il peut manquer un petit peu d'expérience dans les quintets, c'est ma seule contre-indication. En cas de non partant, le 15, Beauté Promise, on lui remet les œillères, alors sur sa vraie valeur, adore le lourd, pourquoi pas, mettez-la dans un champ. Le numéro 12 qui sera ma première impasse, Abibiline, va pas dans le lourd et pour moi c'est pas un cheval d'Auteuil, j'écarte. Et le numéro 8, Emira, ce qui me dérange pour moi c'est un cheval de steeple et bien meilleur sur des distances plus longues, je l'écarte. Le quintet c'est fini, un abonné m'a demandé un 6 chevaux pour le grand steeple, alors je vais lui donner, vite fait, je cite les noms, donc vous notez les amis. Le numéro 10, Figaro, je le donne par ordre de préférence, après c'est vous qui gérez. Le numéro 3, Roi Mage, le numéro 2, Kayaku, le numéro 9, Roxinella, le numéro 5, Bipolaire et le numéro 7, On The Go. Maintenant c'est vous qui voyez, multi, couplet, voilà, chacun fait sa sauce. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, vous avez bien vu, hier, j'ouvre ma bouche, régularité, première quinzaine, super,
Premier, distancement. Hier en réunion 1, course 4, le 5, écurie D. 10 gagnants, 25 placés dans le tournant final commence à être plus trop d'allure. À mi-ligne droite, il se perd. Il avait encore la sauce pour gagner, je pense. Il aurait gagné, mais pas aussi facilement que je pensais. Ça nous rappelle qu'une course n'est jamais gagnée d'avance, que tu peux t'appeler qui tu veux, une course reste une course. Dans l'ensemble, je suis un petit peu déçu, je m'attendais à bien mieux. À mon avis, le cheval a besoin de poids au postérieur. Voilà, nous espérons reprendre la série cet après-midi avec Galet de Rivière, avec Alexa Brivard, qui est en super forme. Pour dimanche, en réunion 4, course 7, sur l'hippodrome de Strasbourg. Un tracé corde à droite sur un anneau qui fait à peu près 1100 mètres, donc ça tourne. Faites attention, un cheval qui part en tête, le numéro 6, Driango de Nil, 5 gagnants, 20 placés. Je vous explique, il est déféré des 4, c'était ma base gagnante l'année dernière dans un quintet qui s'impose à 17 euros. Pour ceux qui les jouent, ils s'en rappellent très bien. Mui de Bled qui est à l'entraînement, plus à la drive, c'est un entraîneur qui fait du bon travail comme un certain Kevin Tonnerieux. Mui de Bled, ses chevaux enfin reviennent en forme depuis 2-3 semaines, donc c'est une bonne nouvelle. Il part en tête, c'est un super engagement pour lui. Il y a un cheval qui a l'air dur à battre, le 10, Carnaval du Vivier, mais vous avez vu encore hier qu'une course n'est jamais gagnée d'avance. Il part en tête, c'est un petit dur, c'est un suiveur, il a fait ses preuves sur Strasbourg, donc l'aptitude à la piste super, l'engagement est bon, il peut jouer sa place dans les 3, ça nous annonce 10-12 euros, je mets la pièce à la gagne parce qu'on sait jamais si ça gagne à 12 euros et qu'on met rien, je pense qu'on pleure. Je vous souhaite encore un excellent week-end et je vous dis à demain pour le retour des trotteurs sur Enguin. Merci à tous, ciao!